Bonjour, bonsoir. Je salue tous mes abonnés, les nouveaux et les anciens. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un bain d'attirance et un bain pour se faire aimer. C'est un bain qui est très puissant. Je dis bien très puissant. Toi qui veux coller, serrer ton doudou pour que doudou soit toujours collé à toi. Toi qui n'es pas aimé. Tu te sens rejeté, fais ce bain pour que tu sois aimé et apprécié partout. Ça peut être dans ton lieu de service, je dis bien partout. Donc, ça, c'est un bain d'attirance et un bain pour se faire aimer. Donc, pour faire ce bain, nous avons besoin du miel naturel, du miel pur, bio. D'accord? Il nous faut ensuite des pétales de rose. Des vraies roses, je n'ai pas demandé d'aller prendre des roses artificielles. Non, aller chez des fleuristes et acheter des roses, donc des vraies roses. Parce que nous aurons besoin des pétales que des pétales de roses. Nous aurons aussi besoin du lait de coco, le lait de coco. Je n'ai pas dit l'eau, hein. J'ai dit et je répète le lait de coco. Vous pouvez acheter le lait de coco dans les commerces ou à défaut. Je conseille même de faire son propre lait de coco. Donc, vous cassez la noix de coco et vous prenez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous râpez. Vous allez, comment dirais-je, vous allez presser pour obtenir le lait. D'accord? Faites le lait de coco. Vous prenez votre seau. Le rituel se fait pendant 3 vendredis. Uniquement les vendredis. D'accord? Vous prenez votre seau, vous mettez une bonne quantité d'eau et vous mettez le miel, 3 cuillères de miel. Vous mettez les pétales de rose. On ne compte pas beaucoup de pétales de rose. OK? Vous mettez votre lait de coco à l'intérieur. Vous ajoutez un peu de sel. Je dis bien juste un tout petit sel. Un peu de sel de l'Himalaya. Le sel rose, juste un tout petit peu. Vous laissez le mélange poser pendant au moins 30 à 1 heure. Ensuite, vous allez vous rincer avec cette eau en faisant vos vœux. Vous pouvez même vous rincer sans toutefois faire vos vœux parce que le bain d'abord, c'est un bain d'attirance. Et si vous ajoutez encore vos vœux dessus, c'est une bombe. Surtout si c'est une femme qui est en train de faire ça pour que son mari soit encore collé, serré. Elle parle de tout ce qu'elle veut. Si c'est un homme, c'est pareil. Si tu es rejeté même dans ton lieu de service, tu fais la même chose. Tu fais tes vœux. C'est un bain à faire pendant 3 vendredis. Je dis bien 3 vendredis à l'heure qui vous arrange. Vous pouvez faire le matin ou le soir. Mais le plus important ici, ça doit être un vendredi. Parce que c'est un rituel d'amour. Les rituels d'amour, le jour idéal, c'est les vendredis. D'accord? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye. Bonne chance.